Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur à la mer. Nous nous trouvons au club de Quint à Middelkerk. Mais avant de parler de la mer et notamment de Nieuport, direction la cuisine pour préparer des moules gratinés. Dans un premier temps, regardez, des belles moules jumbo, bien nettoyées. Alors, une casserole, ici plutôt un sautoir. Alors pourquoi si grand? Pour qu'en fait, regardez, tout soit à plat. Ici, je mets simplement un tout petit peu d'eau. Ce que je veux, c'est simplement les ouvrir. Je ne veux pas les parfumer ni rien. Et là, je mets la puissance au maximum. Voilà, regardez, ça mousse bien. Hop. Directement débarrassé. Donc, je les ouvre en deux. Je garde qu'une demi-coquille. Et je les dispose dans mon plat à gratin. Ici, à l'intérieur du petit robot, je vais mettre le beurre. Alors, soit vous le laissez longtemps à température, soit comme moi, vous le faites ramollir au micro-ondes. Attention de ne pas le fondre. Trois belles gousses d'ail. Trois belles cuillères à soupe de persil. Et alors là, votre bloc de parmesan. Et puis, on vient râper. Toujours du parmesan frais. C'est bien meilleur que le parmesan acheté déjà râpé. Hein. On vient mettre notre parmesan. Hop. Et alors, la petite astuce de la recette, c'est... Regardez, la cuillère à soupe de chapelure. On va avoir un beurre qui tient. Donc en fait, on aura une sorte de petit gratin individuel sur chaque moule. Et quand on va le manger, on aura quelque chose d'un peu texturé et on n'aura pas juste du gras. Maintenant, il nous reste à mixer, tout simplement, très finement. Et on vient tout simplement, regardez, recouvrir généreusement chaque moule. Voilà, maintenant je vais aller au four pour environ 3 minutes, four à 230 sur le turbo grill. En attendant que notre recette se termine, je vous parle de Nieuport. Les 4 saisons vous offrent des lieux époustouflants à voir ou à revoir. Comme refaire le circuit des œufs Beaufort, sur la plage ou dans les terres, ou découvrir le panorama depuis le Havengel, proche du port et d'un arrêt de tram. Bien sûr, vous ferez le détour par le port de pêche où vous pourrez acheter votre poisson. À ce propos, retour en cuisine pour la suite de nos moules gratinés. Et voilà, regardez. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, les moules gratinés un petit peu idéal. Hein. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver au Queen de Middelkerk. Envoyez-nous vos recettes de lieux époustouflants à la mer sur nos Facebook et Instagram Martin Bonheur. Et rendez-vous sur lelittoral.be. Mais surtout, passez de bons moments à la mer. Et à bientôt et bon appétit.